Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 30 décembre. Je m'apprête à plier un énorme bac à linge. Je viens de lancer une machine. Et j'ai rangé la maison. Passé l'aspi, etc. Hier, j'ai déjà passé la serpillière et fait le ménage. Donc c'est bon, j'ai pas besoin de le refaire aujourd'hui. Je suis encore en pyjama, il faut encore que je m'habille. Je suis un peu essoufflée parce que je viens de monter... de la buanderie, il y avait des escaliers et tout, excusez-moi. Il y a Marion et Mickaël et leurs deux enfants qui vont pas tarder à arriver. Romain est au boulot et moi, les enfants sont retournés chez leur papa ce matin. Voilà, donc là il est 11h je crois et ils sont partis pour 9h, qui vont chez leurs grands-parents et qui a un petit peu de route. Du coup c'est pour ça que ça a été placé à 9h. Voilà, donc moi bon, la maison c'est ok, je vais plier le linge. J'ai fait une petite présentation d'une box que j'ai reçue à cuisiner, donc c'est bon. Je suis plutôt pas mal et plutôt à jour, sauf ça. Mes ongles vont péter. Je pense qu'il faut que je rachète une base, elle tient plus. Parce que, vous savez, quand on achète les pots, s'ils restent trop longtemps ouverts, enfin j'ai remarqué ça, en tout cas les bases, elles tiennent plus. Il faut que j'arrête d'acheter des gros pots, il faut que j'en achète des petits. Parce que je suis pas non plus à utiliser ça tout le temps. Et le problème c'est qu'après ça tient moins bien et au moindre truc ça saute quoi. Donc voilà, il faudra que je rachète ça. Là je vais plier ce linge. Je vais filmer aujourd'hui. Je ne sais pas encore si ça sera sur 2 jours ou si ça sera que aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui vont être faites. Enfin que je souhaite réussir à faire. Après entre ce qu'on veut et ce qu'on peut c'est autre chose. Mais par exemple je vais monter... avec Mickaël en l'occurrence, qui est assez bricoleur, des nouvelles portes de placard dans les chambres des enfants, donc 3 chambres, et c'est pas des portes standards, voilà, c'est des portes en fait en placard avec un tissu tendu mais ultra résistant qui est lavable et tout. Ça a l'air juste génial, j'ai pu choisir le motif et tout, donc franchement ça a l'air vraiment top. Mais ça je vous montrerai après le résultat et je présenterai en story parce que j'ai reçu donc ces produits gratuitement en échange d'une visibilité, non pas dans ce vlog, là ça sera comme ça, ce sera parce que je vous montre ce qu'on fait, mais ça sera surtout en story Instagram. Donc il y a ça, j'aimerais bien voir pour changer cette lampe parce que moi j'ai une lampe qui ira mieux avec la décoration qui va suivre, donc ça serait pas mal de pouvoir la remplacer. C'est une lampe pareille qui fait pareil en longueur comme ça. Oula, je pars n'importe où. C'est difficile de faire un retour comme ça. Ouais, une lampe en bois avec du noir dessus que j'avais déjà dans l'ancienne maison. Pas celle d'avant, mais celle d'avant encore. Et qui ira très bien avec la déco. À voir si on rachète pas la même pour là-bas. Voilà, on verra, mais ça serait pas mal déjà de faire ce petit détail-là. Et comme Mickaël est... à une formation d'électricien, et bien voilà, Romain il veut pas trop toucher à ça et moi non plus, donc comme ça on est sûr que c'est bien fait et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau là. Si on peut déjà faire tout ça, parce que mine de rien les 3 portes ça va nous prendre un petit peu de temps, 3 portes de placard, si on arrive à faire ça les 3 portes et que on arrive encore à faire d'autres trucs, tant mieux. Voilà, Marie et Mickaël ils dorment ici. Ils vont rester quelques jours à la maison, ils vont passer Nouvel An ici. Et du coup, voilà, ça fait super plaisir parce qu'ils ne peuvent pas venir non plus tout le temps, surtout avec le confinement qu'il y a eu, la situation actuelle. Mais là, voilà, comme ça, il n'y a pas de couvre-feu ni rien, ils restent à la maison, donc aucun souci. Et puis en plus, ils ont eu la gentillesse de passer au point relais Ikea vers Nancy pour récupérer, en fait, ils y passent, pour récupérer mes 2 tiroirs, mes 3 tringles et un semier. Pliable, un semier que j'ai commandé, ça m'évite de faire l'aller-retour 40 minutes aller, 40 minutes retour, je suis floue, non c'est bon. Donc voilà, tant qu'ils y passent, hop, ils peuvent me récupérer la commande, donc ça c'est top. Ah oui, il y a aussi ça, mon dernier dressing qu'il faudrait réussir à monter, comme ça serait vraiment finalisé en bas et ça devrait être pas mal. Voilà, bon, et bien moment café, oula, dans le noir absolu. Voilà, moment café. Vous l'aurez compris, il y a Mickaël. Moment café. Et ensuite on attaque. Même si on a déjà commencé à attaquer par un truc. Ta-da-da-da-da, nouvelle chaise.
Ouais, sauf que j'en ai reçu que 308. J'espère qu'ils vont pas faire genre on vous a tout livré. Non, je crois pas. Donc, bah pour l'instant, Mickaël a eu la gentillesse et l'honneur de m'en monter deux. Comme ça, elles sont les deux en bout de table. Et j'ai pris les 6 autres chaises, je les ai mises en longueur. Voilà. Et puis l'autre, bah, on va la mettre dans le garage en attendant de recevoir les 5 autres. Et voilà. Ça fera plus cocooning, plus pour le coup, c'est beaucoup plus gros au niveau des chaises, mais bon, voilà, ça fera plus rempli. Et ensuite, on va attaquer le placard, à moins que tu veux commencer par la lampe. C'est peut-être plus simple. J'ai peur du courant. Il se moque de nous, là. Hein ? C'est toi qui choisis. Soit on fait le placard, ça risque de prendre un peu de temps, soit on fait les petits trucs déjà, histoire que tous les petits trucs soient... Nana, elle est en train d'organiser son planning. Choisis le petit train mexicain. Le petit train mexicain, c'est quoi ça? Le nouveau jeu là. Le nouveau jeu qu'on a ramené. Ils ont ramené un nouveau jeu. Alors on va le tester ce soir. Non, on pouvait jouer cet après-midi au lieu de. Mais non, on peut pas, il n'y a pas Romain. Mais on peut jouer à. À 2, 3, 4. C'est pas un jeu qu'on ne peut jouer avec un nombre pair. Et c'est du chacun pour sa gueule. Oh, bah, deux. C'est pas un. T'as quelque chose à dire? Nous, dit tout. Et il fait un gros sourire. Oui. Quand est-ce qu'il fait pas des sourires? Tu rigoles? Tu rigoles? Ah oui! Elle fait quoi la mavachou? Elle me répond pas. Quoi? Elle a pas son téléphone? Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, il t'a appelé. Ah Romain? Ouais. J'ai commandé la couette en 240-260. Tu aimes bien? Il me dit. D'accord. Ouais, j'aime. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Ah ouais, comme ça. Tu craches. Comment ça tu craches? Là, c'est Romain qui avait dit, elle fait quoi la mavachou? Elle me répond pas. Elle me fait travailler, il a dit. Au secours. Je peux bien travailler avec toi. Pitié, je peux venir à ton boulot. Je fais tout ce que tu veux sur moi là. Essaie de faire rire toi. Ah, c'est joli. C'est trop joli. Top, un truc en moins. Qui traîne déjà, hein, qui traîne et qui n'est pas utilisé. Et puis qui change un peu l'ambiance. Hein. Ah, c'est trop joli. Bon, là, il n'y a pas encore le courant, mais... parce que forcément, on a coupé le courant pour pouvoir l'accrocher. Mais c'est top, hein. Et puis au niveau des chaises, la nouvelle chaise, je vous la montre du coup. Voilà, le style un peu comme ça. On se sent bien enveloppé dedans. C'est joli. J'aime bien. Parfait. Bon, maintenant c'est opération déchatterie. Toc. Donc la lampe dans la chambre des filles est accrochée, mais il manque un crochet pour juste la rendre plus droite. Mais elle est fonctionnelle, elle est accrochée, au moins c'est plus une ampoule nue. Et là on va emmener tout ça en partie. Bon, j'avais filmé mais je sais pas pourquoi ça a coupé. Donc il y a tout ça, mais en fait il y a un autre carton comme ça que Mickaël a déjà embarqué avec des trucs dedans. Mais en gros, il y a tout ça à emmener, ça c'est des trucs qui ont pété en fait. C'est cassé. Donc on va emmener tout ça et puis il y a des choses encore dans la camionnette à emmener. Je prends la camionnette de Romain et puis on fait un aller-retour pour être sûr que les cartons sont emmenés, même s'il y en aura d'autres. C'est toujours ça en moins qui traîne dans la maison. Voilà, allez, c'est parti. Bon, déchetterie ok, et là en fait j'ai oublié de vous filmer. On est passé au hangar où j'ai tous mes trucs et on a rempli la camionnette. On a déjà vidé une bonne partie de choses que je peux ranger dans mon dressing vu que c'est gros sacs, c'est mes vêtements. Les valises aussi, des enfants aussi. Et du coup, bah, ça fait tout ça en moins là-bas, quoi. Et ma boîte à bijoux aussi, oui. Mais là, on en avait déjà vidé une bonne partie. Ouais. Mais voilà, au fur et à mesure, comme mon dressing est pratiquement monté, bah, je peux déjà récupérer des trucs. Et ça fait du bien. Voilà. C'est parti pour poser des rideaux ici. Alors. 1, 2, 3, c'est parti. Donc, rideau que j'ai reçu. Elle sera pour faire comme ça, ta tombe. Ouais, mais au plafond. Ouais. Oui. C'est non, ça. Mais... donc il faudrait une accroche ici. J'ai reçu en fait les rideaux que j'ai commandés sur Amazon. Je sais pas si on arrivera à bien voir parce que c'est la lumière pas naturelle. Je les trouve trop mignons. Je les ai montrés
à Léo et à Théo, ils étaient trop contents. Ça a donné un beau style un peu clair comme ça. Et voilà, le but c'est de les accrocher, tout simplement. Il faudra que je trouve aussi une lampe, parce que là c'est qu'une ampoule nue. Ça, ça sera changé aussi, les portes. Pas aujourd'hui. Et voilà, la trongle. Et dans le salon, on a mis des rideaux que j'avais dans le chatounet. On les a mis dans le salon. Le problème, c'est que j'ai voulu filmer, mais la lampe était sur la caméra. Donc, bah voilà. Je verrai si je vous montre demain, quand il fait jour, parce que je pense que ça sera un petit vlog sur deux jours, que je filmerai pas forcément jusqu'au soir. Je verrai, voilà. En gros, c'est ça. Mais là, c'est travaux. On a vidé la camionnette, donc c'est bon. J'ai pas encore rangé évidemment les sacs dans le dressing et il y a trop de trucs. On veut déjà régler ces histoires de voilà, il n'y a plus rien à accrocher ensuite et ça sera ok. Romain de toute façon là il va pas tarder à revenir du boulot, il est déjà 17h30 et il va avoir la petite surprise dans le salon. Je lui ai envoyé en photo mais en vrai c'est toujours différent qu'en photo. Je lui ai envoyé avec les rideaux, la lampe et tout qui a été accrochée, les deux nouvelles chaises et tout. Il était tout content donc c'est cool. Préparation. Une raclette. Blanquette de veau, mesdames et messieurs, pour demain midi. Et non pas pour ce soir, comme ça en fait on n'aura rien à faire demain. Bah, et puis on ce aura soir. Déjà bien assez de choses à faire, c'est ça. On prépare en avance. C'est ça. Et ce soir, on mange ça. Comme ça, c'est au four, 25 minutes, merci, au revoir et bonne nuit. Un suppôt au lit. Non mais. Je passe mon tour. Hein. Je passe mon tour. Donc voilà, comme ça le repas de midi c'est ok. Demain matin il faudra faire des petites courses de dernière minute. Ouais parce que bon, on adore avoir de la foule et aller à la dernière minute. C'est tellement mieux quand on est. Tu sais que tu pouvais touiller hein, fallait pas attendre sur moi, je suis chaud hein. Non mais réfléchissez à ce qu'il va les mettre dedans. Ah, ouais. Ouais, mettre, qu'est-ce qui manque encore? Non, je vais mettre un petit peu de, d'ail. Ouais. Ah ça peut être pas mal ouais, un petit peu d'ail. C'est trop mignon. Oui parce qu'en fait il y a quelques jours c'était l'anniversaire de Romain et bah, on le fête ce soir. Demain nickel. Tout brillant. T'es là. Tu mets la caméra dedans, t'es, tu gâches tout. Bon comme d'hab c'est le même hein. Qui fait des conneries. Toujours comme d'habitude. Je ne vous expliquerai pas ce qu'il a essayé de faire. Putain. Putain. Glacée dans le pantalon. Elle est, pas... elle est glacée non? Putain. Elle est pas chaude. Elle est pas chaude. Elle est tiède. Elle est pas tiède, je peux te le dire. Ah, oh la vache. Donc voilà, je disais que le gâteau est très joli. Je l'ai sauché tout le temps. Ah, c'est beau. Et d'intérieur, donc, c'est chocolat et petite framboise. Mmh. Joyeux anniversaire. Ah, je le sentais bien. Quoi? C'est quoi? Plaît-il? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas sûr. Elle souffle encore. Bah alors, t'as pas tout éteint d'un coup? Un vœu. Vas-y, montre la moelle. Lais ton arme. Ah ouais. Et c'est cramé. Bien le bonjour tout le monde, je me l'écaille. Nous sommes le lendemain. Et j'avais oublié la caméra et mon téléphone, donc je vais aller les rechercher. Marion m'attend dans la voiture, on va aller faire des courses à la dernière minute. Voilà, tout va bien, il va y avoir un monde pas possible. Mais bon, pas trop le choix pour avoir tout ce qu'on veut pour ce soir et même les jours à venir. Il n'y a plus d'ice tea. Il n'y a pas de coca. Il n'y a pas de coca, ok. Donc voilà, on va aller acheter ce qu'il faut. Et puis ensuite, bah, on bouge plus de la baraque. Mmh. À part pour aller au hangar si aujourd'hui on fait quelque chose. Mais dans tous les cas, voilà. J'avais oublié de vous dire hier, donc la pose du placard n'a pas pu se faire.
parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait ni équerre, ni visserie, ni rien du tout dedans, alors que ça aurait dû être dedans. Donc j'ai contacté la marque pour dire, soit vous avez oublié de me les mettre, soit on est vraiment bêtes et on les trouve pas, je sais pas. Parce qu'on a ouvert tous les cartons. Et bah comme ça en tout cas on les voit pas. Donc à moins que ça soit bien planqué, ils ont peut-être dit ouais, là je peux pas monter le placard quoi. Un peu d'aigle, on avait tout déballé, j'étais toute contente. Donc c'est reporté, hein. Bon bah j'attends la réponse encore. Et puis du coup bah aujourd'hui je pense qu'on essaiera au moins de terminer ce qui est dressing. Mm. Comme ça, ça c'est fini, on n'en parle plus. Autant Romain que moi. Et pourquoi j'ai touché ça? Comment on remet? Pourquoi il ne met pas lui? Voilà. Voilà. Allez, on va faire les courses et je vous reprends après. C'est bon, on a fait nos courses. Tout va bien. Franchement, contente, il n'y avait pas grand monde. On a décidé de ne pas aller dans un énorme supermarché où c'est sûr qu'il y aurait eu un tas de monde. Du coup, on a été au Super U, puis franchement, toutes les caisses étaient ouvertes. On n'a même pas attendu aux caisses. On en avait une qui était libre. Donc parfait, on a tout trouvé. J'ai soif. Je vais boire un truc. Il y a Romain qui va pas tarder à rentrer parce que bah, il bossait pour le midi. Et puis cet après-midi, il sait pas encore jusqu'à quelle heure il bosse, s'il va être libéré plus tôt ou pas. Et puis voilà, il y a la blanquette de veau qui est prête, donc il n'y aura pas besoin de cuisiner, juste à réchauffer, c'est parfait. Et puis cet après-midi, moi je m'occuperai de ranger tous les sacs, les valises et tout, tous les fringues qui ont été ramenés hier. Et puis si on peut terminer, comme j'ai dit, le dressing et tout, ça serait parfait. Et ça serait déjà pas mal. Voilà. Bon bah j'ai reçu les dernières chaises. J'avais peur hier vu que j'en avais reçu que 3, mais c'est bon, il y en a 4 là. Et puis monsieur est en train d'en monter une. Donc c'est bon, finalement j'ai reçu toutes mes chaises. J'avais peur. Et, tu manges pas le carton? Ça va pas non? Je suis en train d'en monter une. Ça va pas non? Je veux être bien assis. Je veux être bien assis. En gros mes chaises elles sont pas confortables. Non mais c'est pour ça aussi que je voulais les changer hein. Non, je m'en monte une tout de suite pour midi. Ah, okay. Les autres je m'en bats les steaks. Je m'en monte une pour midi. Et bien voilà, les petites chaises sont montées. Ah, je suis contente. Oui, il y a la machine à café qui est en train de faire son nettoyage. Et en fait, les chaises que j'avais, bah, elles sont déjà vendues et parties. J'ai mis une annonce à un prix intéressant pour que ça parte vite. Et j'ai posté l'annonce, genre une minute après, j'avais, est-ce qu'elles sont toujours disponibles? Oui. Et 50 minutes après, elle était à la maison, elle les récupérait. Donc c'est bon, au moins il y a rien qui traîne à côté. Je suis trop contente. Bon, il y a des vestes dessus. Mais voilà, j'aime bien le côté un peu chaleureux que ça apporte. Et c'est ce que je recherchais, donc franchement, je suis contente. Pardonnez-moi depuis avant, c'est n'importe quoi, j'ai pas filmé. On a passé pas mal de temps à terminer dressing, rangement des vêtements dedans et tout. Et là, en l'occurrence, ils sont en train de descendre le lit. Il a commencé à tourner le pied. De la chambre de Romain. Voilà. Qui va devenir la chambre des garçons. Donc les meubles là vont partir. Ça, ça. Et le but, c'est de mettre leur coffre à jouer ici, le gros lit 3 places juste là. Voilà, ouais, il faut qu'on remette droit, du coup ça va taper dedans. Voilà, bah écoutez, il est juste 18h, on est un peu à la bourre, mais sinon tout va bien. Bon, et bien voilà ce qui a été fait, entre autres, hein. C'est-à-dire qu'on a descendu le lit, il faut encore mettre les draps et tout. On a descendu les tables de chevet parce que bah, c'était juste pour pouvoir cette nuit poser nos affaires dessus, etc. Parce que mes tables de chevet, elles sont dans l'entrepôt et là franchement on n'a pas le temps d'y aller ni l'envie ni... Voilà, on le fera demain. On va monter le lit des enfants aussi demain. Et puis oui, là, il est en train de repasser des chemises. Et il faut encore qu'on mette des draps et tout. Et surtout, surtout, voilà ce qui a été fait. Et je peux vous dire que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ouais. Il faut encore accrocher ça. Ah, c'est mon armoire à bijoux, donc il va falloir l'accrocher demain, comme ça elle est pile là où il faut, quand je m'habille je peux me regarder et tout, c'est parfait. Et puis il me reste encore quelques vêtements dans l'entrepôt, mais la grande majorité est ici, c'est bon, tout est monté,
Ça, on a un petit peu galéré. Hein. On a un petit peu galéré parce que bah, le dernier à poser, c'était lui. Et pour 1 mm, il ne rentrait pas. Donc, on a dû retirer la plinthe derrière ce mur pour que ça passe à 1 mm. Je rigole pas, on était dégoûtés, quoi. Mais bon, voilà, la plinthe, elle se verra jamais. Donc, en soi, c'est pas grave. J'ai tous mes petits tiroirs, là. Je suis toute contente avec mes petits tiroirs à chaussures en dessous. Et puis, Romain, du coup, il a monté son deuxième placard ici. Il faut encore qu'il le remplisse. Et il va voir ce qu'il peut rajouter. Bon, là, c'est encore le bazar, hein, parce qu'on a mis tous les outils là en attendant. Ce qu'il va rajouter de ce côté-là, sachant qu'ici, donc, ça va être fermé. Voilà, bah, c'est tout. C'est tout, mais ça nous a pris plusieurs heures quand même, mine de rien. Et du coup, je suis en train de me tâter de savoir si je ferme ou pas avec des rideaux. Ouais. De toute façon, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, on a calé la porte coulissante là, avec un truc, parce que comme quand il y a du vent, en fait, elle bouge un peu comme ça, comme la fenêtre n'est pas encore posée là-bas. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir dit, pourquoi tu fermes avec des rideaux? Et enfin, moi, je me disais par logique, je vais mettre une paire de rideaux de chaque côté, mais finalement, c'est peut-être pas mal. C'était fait un peu comme ça, ouvert. Voilà. À voir. Écoutez, là, de toute façon, j'ai pas de rideau. Donc, on va voir sur quelques jours. Il faut encore qu'on pose les plinthes ici, hein, de ce côté-là, que ça soit finalisé. Et puis, voilà. Il y a du bon boulot, quand même. Hein. Il y a du sacré boulot dans cette pièce. La porte, pareil, ça sera fait dans les mois à venir, vu qu'on veut l'agrandir et la changer. Hein. Donc c'est pour ça que c'est comme ça. Ça s'est déjà préparé. Il va falloir acheter des rideaux. Et puis voilà, oui, là vous me voyez, je suis prête. Je suis prête, je vous montre juste après. Et puis tout le monde s'est douché, s'est préparé. Et puis bah, on va gentiment se mettre à table. Voilà. Allez, je vous montre maintenant. Donc j'ai mis ma robe que je vous ai montrée en story, avec des petits trucs comme ça sur les bras. Voilà, alors pour l'instant j'ai mes pantoufles, mais voilà, j'ai mis un collant, et puis c'est ma robe toute brillante pour ce soir. Marion a eu la gentillesse de me boucler les cheveux, je suis déjà douchée, maquillée, tout est prêt, c'est bon. Donc là, on attend juste sur Romain, c'est le dernier, et c'est sa chemise justement qui est en train de... Enfin, qui est finie d'être repassée d'ailleurs, et voilà. D'ailleurs, je crois qu'il arrive. Ah, je ne vais pas vous montrer, il est en boxer. Tu vas te mettre ta chemise et tout, hein? Je ne sais pas laquelle mettre encore. Ah, t'hésites entre la bleue et la blanche? Pas du tout. Super, t'hésites entre quoi? J'avais besoin de ton avis. Non mais rentre, on ne te voit pas dans le... Non mais des fois dans le reflet. Non, j'ai fait gaffe qu'on ne voit pas le reflet de la vitre. Dis-moi, avec quoi hésites-tu? Pourquoi tu hésites avec la bleue? Pour le coloré, le côté coloré. Ouais, mais un pantalon noir alors avec ça. Oui. Ah oui. C'est gris, ça, c'est pas noir. Bah, c'est le plus noir que j'ai. Mm. Ok, c'est noté, pantalon noir. Futur cadeau, pantalon noir, c'est noté. Classé. Bon bah ça fait bling 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 bling, mais petit apéro, pas beaucoup de choses, parce qu'après c'est une plante chat et on aimerait qu'il nous reste de la place en fait. Donc un peu de saumon avec du chèvre frais en dessous, et j'en ai mis sans chèvre aussi, au beurre, pour monsieur Mickaël, du foie gras maison, et puis ça ira très bien pour l'entrée, pour garder de la place pour après. Ah. Ça va être bon tout ça. Petits champignons ou de la courgette, et des poivrons, du canard, du bœuf, du poulet. On est bien là, on est bien. Ils sont en train de se foutre de nous. Voilà, parce qu'en fait on fait un toc, hein, un jeu. Désolée pour les lumières, hein, ça risque de faire un petit peu comme ça sur la caméra. Comment vous dire qu'on se fait laminer depuis deux parties avec Marion. Ravie que nous sommes. Et je suis en train de faire tomber la caméra.
et on n'arrive pas à relever le niveau. Là, non, franchement, là, chapeau. On se fait laminer. Vous jouez comme l'année 2020. Voilà, je pense que d'ici donc 8 minutes maintenant, hein, voilà, d'ici 8 minutes, on va commencer à gagner. Parce qu'on débute une nouvelle année. Putain, mais c'est quoi ce jeu de merde? On peut continuer le jeu dans 8 minutes, s'il vous plaît? Non. Vous voulez pas qu'on gagne en full? C'est à moi. C'est horrible. C'est terrible, je peux pas sortir, Marion. Non, bah du coup, tu rentres chez toi. Bah, 6. Il vient de m'en enlever un de nouveau. C'est pas grave, quand tu vas. Mais il est sérieux, lui? Tu vas avancer l'autre comme ça. Il veut dormir tout seul cette nuit. C'est vrai. Il veut dormir tout seul. Non, mais faut le dire, il n'y a pas besoin de faire ça. Hein. Tu peux dire je veux dormir tout seul cette nuit. Ça peut se faire. Toc, t'as vu, il a dit toc. À toi, ma vache, où dormir tout seul cette nuit. Mais pour une fois, il veut gagner. Je jure que je vais le faire. Hein non, laisse-le terminer sa phrase. Fou, j'ai la chambre en bas. Hein. Il veut. Ouais, mais tu dormiras tout seul. Il veut dormir tout seul. Tu dormiras sur le canapé. Ouais. Mais pour une fois, il veut gagner. Tu te rends pas compte. Ouais. Moi, les défis, je les relève. Voilà, tu vois le karma. Regarde le karma. Il vient de se cogner. Comprends que pour. C'est bien fait. Comprends que pour une fois, on veut gagner. Ok. Non, mais il vient de me dire que j'avais pas le droit de souhaiter bonne année. Si. Mickaël. Tu as le droit de souhaiter bonne année, mais tu ne le réveilles pas. Non, si non, tu non. le réveilles. Non. Enlève-moi ce scénario, il gâche pas tout. 49 secondes, 48, 47, 46. Tu me le réveilles. 45. Il dormira à la fin de ta chambre. 43, tu feras la main de Mendel. 41, 40, 39. On n'a pas sorti l'époque. 38, 36, 35. Le pauvre Léo, il va faire un bond dans le lit. Non, moi je gueule. Hein. Bonne année! Mais où la tête, gueule dehors! Je fais très bien. 20, 19, allez, s'arrête. Je suis en train de tirer. Vite! Ouais, retiens-la. Allez, on va poser la. 9, 8, 7. Ils sont pas raccord, il y a 4. 6, 2, 5, 1. Bah oui. Merci Mickaël de m'avoir apporté la caméra. Mais je crois que ça fait beaucoup de batterie. Ouais, alors du coup, bah, je vais clôturer en 2021. Voilà, et bah écoutez, c'était une chouette soirée. On n'a pas mis de musique à fond, etc. Parce qu'en fait, le petit, il s'est endormi, donc Milan. Et vu qu'il fait les dents, on ne peut pas réveiller. En ce moment, il fait les dents. Du coup, quand il dort, on préserve ce moment magique. En train de se marrer. Donc du coup, on a évité de. Voilà, on a souhaité bonne année, il s'est pas réveillé. On a fait POUM, mais on n'a pas mis la musique à fond pendant une heure, machin et tout. Voilà. Bah, du coup, bah, là, je vais me démaquiller et puis je vais aller dormir pour la première nuit en bas avec Romain. Et puis, je ne sais pas si je vlog demain. Je pense que si. Si, je vlog demain parce qu'il y a quand même des choses là dans les jours à venir qui vont être faites. Donc. C'est toujours intéressant de montrer, mais ça sera peut-être un vlog sur deux jours de nouveau. Je sais pas, ça dépend si j'ai assez de contenu ou pas en fait. Hein. Ça dépend de ça. Bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente année. Je sais pas si ça va être mieux que 2020, mais personnellement, en tout cas, on souhaite toujours que ça aille mieux. Voilà. Et ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.